Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite parenthèse, donc j'espère que tout le monde va bien. Franchement vu la situation, c'est vraiment pas évident ce confinement en France. Ce confinement en Belgique qui nous pend au nez d'ici quelques heures. Hein. Là je tourne cette vidéo, ben, on est vendredi, vous allez la voir en vidéo bonus, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, donc on va avoir les résultats vers 13h plus ou moins. Donc voilà, le confinement va certainement avoir lieu. Franchement ça va être une catastrophe l'année prochaine, hein, clairement. Enfin, surtout question, déjà la santé, tout ça, mais le boulot, enfin, ça va être une cata, quoi. Les indépendants qui font faire faillite, moi je travaille dans une grosse boîte, mais je suis vraiment pas à l'abri non plus. On a déjà eu un gros coup là avec le premier confinement, là le deuxième, je sais pas comment ça va se passer. Clairement, voilà, je vous souhaite plein plein de courage à tous et à toutes. C'est vraiment pas facile, franchement. Après, voilà, je vais pas en parler trop parce que voilà, j'ai pas envie de penser à ça. On n'est pas ici pour penser à ça, justement, on est ici pour s'évader un peu et voilà, je stresse déjà bien assez pour en parler plus. Et en plus, bon voilà, ça peut créer des débats et des choses comme ça. Il y a des choses qui sont. Voilà, certains sont d'accord avec certaines choses, d'autres avec d'autres. Donc j'en parle pas trop sur ma chaîne, c'est pour ça aussi. Donc c'est pas que je n'y pense pas, loin de là. Hein, voilà, je pense à tout le monde, à tout ce qui va se passer l'année prochaine. Parce que clairement, 2020, c'était une cata. Mais alors l'année prochaine, vu les retombées que ça va faire, ça va être. Économiquement et enfin plein d'autres choses, ça va vraiment être une catastrophe. Donc voilà, je ne veux pas y penser. On va essayer de s'évader un petit peu et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko. Donc j'ai réussi à choper quelques articles de la collection de Noël avant d'être confinée. Voilà, parce qu'elle n'est pas encore sortie sur le net, mais elle est sortie dans les boutiques. Je pense pas qu'elle est déjà sortie sur le net hier, elle n'était pas, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, on va parler de la collection de Noël. J'ai pris un rouge à lèvres. Voilà, que je vais vous montrer après. J'ai pris un crayon. Alors, j'ai pas su tout avoir parce qu'ils n'avaient pas tout. En plus, à mon avis, ils sont comme nous, ils ont des retards de colis et tout, de livraison et tout. Donc, ils n'avaient pas tout. Ça, c'était le blush. Et un fard à paupières. Voilà, comme ceci. Alors, sur le teint, j'ai déjà fait donc bronzer. Le bronzer, j'ai mis un bronzer Kiko. Le fond de teint, je suis en train de tester le fond de teint Dior reçu par Marcella. Et franchement, j'adore. Alors, couvrance moyenne, faible à moyenne, mais clairement, j'aime beaucoup. Voilà, la teinte est nickel. J'avais peur, c'est le 1N. J'ai hésité avec le 0N, mais quand je suis passée chez Sephora, j'ai regardé le 0N est trop clair. Donc, c'est vraiment la teinte qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai quelques imperfections, donc forcément ça camoufle pas complètement parce qu'il est assez léger, mais il tient super bien. Et voilà, quand j'ai pas trop d'imperfections ou quoi, c'est une tuerie. Et en plus, 50 ml, ça c'est parfait. Ensuite, petit coup de cœur pour cette base de chez Herborian. Ça fait ben, voilà, 3 jours que je la mets là. Et j'adore, franchement, elle fout super bien les pores. Et elle fait. En tout cas, le fond de teint Dior, à mon avis, tient déjà super bien. Mais je sais pas si elle l'aide, mais en tout cas, les deux ensemble, pour l'instant, j'adore. Ensuite, j'ai mis la poudre de chez Kiko aussi, que je teste. Alors ça, par contre, je suis mitigée. La poudre est géniale, hyper fine. Mais alors, le packaging, c'est une horreur. Donc, quand vous l'ouvrez, donc voilà, là, vous avez le. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, parce que c'est blanc, donc vous verrez pas bien. Et là, vous avez un coussinet. Donc, en fait, il n'y a pas de contenant pour vider la poudre. Il faut mettre avec ça, mais moi, ça, j'utilise pas. Et alors, la poudre, par contre, quand vous la mettez, c'est une infection, ça vous étouffe. Moi qui en plus qui vais bien franco, j'arrête de respirer quand je la mets parce que ouais, l'odeur c'est. Par contre c'est dommage parce qu'elle est hyper fine, hyper. Franchement, elle fout assez bien les pores aussi. Elle tient super bien question matité et tout, elle est géniale. Mais voilà, donc moi je la vide dans un autre capuchon de poudre. Parce que bah, voilà, je sais pas la vider donc voilà. Mais sinon, elle est vraiment pas mal. C'est dommage que l'odeur et le fait que voilà que le packaging c'est pas terrible. Par contre, gros coup de cœur pour l'anti-cerne Jeffree Star et la teinte est nickel. Donc ça c'est génial. Faudrait que je regarde. Là, je vois pas bien c'est quelle teinte, mais faudrait que je regarde parce que franchement c'est vraiment la teinte qu'il me faut. Et il est nickel. Il file pas du tout dans les ridules. Clairement, là je l'ai posé tout à l'heure. Non, franchement il est super bien. La couvrance elle est moyenne, je dirais. Moi j'ai pas des grosses grosses cernes. Malgré que là j'ai des petits yeux. Hein. J'ai fait des oignons ce matin et tout. J'ai fait ma sauce bolo. Donc du coup j'ai des petits yeux, j'ai pleuré, voilà quoi. Donc voilà, mais ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Petite parenthèse encore avant de commencer. Là on est en train de voir tous mes gris. Faut que je fonce avant le confinement pour m'acheter une colo. Oui, il y en a qui font des réserves de PQ. Moi, il faut que je fasse ma colo.
C'est de l'humour, hein, bien évidemment, mais voilà, si j'ai le temps, j'irai, et si pas, je mettrai des bérets dans toutes mes vidéos dans le prochain mois à venir. Ou bérets avec des chapeaux. Voilà, parce que voilà. En plus, cette coiffure-ci, j'aime beaucoup, ça change, mais ça fait ressortir tous mes gris, du coup. J'adore. Voilà, allez, on commence. Alors, on va commencer par le blush, tiens. Où je fais les yeux d'abord. Bon, allez, je vais faire les yeux. Laissez le blush pour la fin. Il est trop beau, donc... Je vais mettre la base Pélouise, pareil, que je teste depuis quelques jours. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je crois que je l'aime même mieux que ma Anastasia. Donc, c'est la teinte 2. Je voulais vous dire aussi, j'en reviens pas, franchement, d'avoir fait... d'avoir reçu les colis comme ça... de mes abonnés. Je regardais les vidéos des grandes youtubeuses avant qu'ils recevaient des cadeaux par leurs abonnés. Et je pensais pas qu'un jour ça pourrait m'arriver. Donc voilà, c'est un truc de fou. Je suis toujours sur mon petit nuage, hein, là, depuis quelques jours, j'arrête pas de tester tous les produits. Pour l'instant, je mets ma crème Charlotte Tilbury aussi, matin et soir. Et elle va super bien. Elle va super bien. Alors, j'ai pris un fard mono. Faut savoir que les fards à paupières de chez Kiko... j'aime pas forcément. Je suis pas très fan des fards à paupières. Alors je vais vous mettre aussi ici, il y avait une palette de fards qui me faisait envie. Je crois qu'il y a 4 ou 5 fards. Donc je vais mettre des photos. 4 ou 5 fards dedans et elle coûtait 16,99€. Donc c'était la palette que je voulais. Il y a 3 variantes. Mais ils les avaient pas du tout, ils en avaient aucune. Donc ils avaient que les fards mono et les fards mono, ils en avaient que 3. Et la palette là coûtait 16,99€. Ensuite, il y avait une grosse palette de fards à paupières qui est très jolie aussi, qui coûtait 24,99€, je pense. Et ça, il l'avait, mais moi, elle ne me tentait pas forcément. C'est vraiment les autres petites palettes qui me tentaient, mais il ne les avait pas. Et je trouve que c'est pas donné parce que je crois que le fard tout seul, je l'ai payé 11,99€. Or que la palette de plusieurs fards, là, coûtait 16,99€. Donc du coup, j'étais un peu deck, mais je voulais absolument tester un fard à paupières pour vous faire un make-up. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris un crayon double en bout. Donc voilà. Pour les fards à paupières, c'est ce qu'il y a dans la collection. Donc des fards mono, la petite palette que je vous ai montrée et une grande palette quand même. Donc là, je vais utiliser que le fard que j'ai pris. C'est le 03, si je ne me trompe pas, que j'ai pris. 03. Oui, 03. Comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et je vais l'utiliser tout seul pour vous montrer un make-up qu'on sait faire avec... seul parce que ben voilà, tout le monde n'a pas forcément des palettes. Il y a des gens qui achètent. Moi, je sais bien, quand j'ai commencé le make-up, j'avais que des fards mono, j'en avais un ou deux, donc j'utilisais vraiment que ça sur ma paupière. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et j'ai pris le crayon pour me faire un petit ras de cils en même temps. Donc je vais l'utiliser à mon avis au doigt. Bon, clairement mes pinceaux sont pas lavés parce que cette vidéo n'était pas prévue. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça sur le doigt, elle a l'air magnifique. Franchement, j'avais swatché en magasin et elle a l'air magnifique cette couleur. Ils avaient une autre couleur qui était super belle, mais c'était vraiment plus en transparence. Donc je ne l'ai pas prise, mais elle était très jolie aussi. Puis il fallait faire un choix, hein. Et ne sachant pas comment ça allait aller avec le confinement et tout, je préfère ne pas dépenser trop de sous. Même s'il y en a, apparemment, ça ne les gêne pas. Hein. Ils n'ont pas peur, mais moi, je suis une stressée. Donc il est super beau, hein, le packaging. Et le soleil, là, au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout en aplat comme ça sur la paupière mobile et je vais après passer mon estompeur pour estomper un peu les bords. Vous voyez, sinon j'aurais pu mettre un autre fard en creux aussi. Hein. Mais là, c'est vraiment pour faire un make-up avec un seul fard. Voilà, voilà, et bien je suis agréablement surprise, clairement, le fard se travaille super bien, la pigmentation est très très bien, et ouais, non, il se travaille trop bien, franchement, je suis très étonnée. J'aime beaucoup. Pourtant j'essaye de plus trop acheter des fards mono, mais là, il se suffit à lui-même, clairement. Il est très très joli ce fard. Il a des beaux reflets. Ouais, il est très très beau. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais j'aime beaucoup. Je vais faire le ras de cils. Bon, je vous ai pas dit, mais là c'était un E25 de chez Sigma. Et celui-ci, je vais mettre mes lunettes pour faire le ras de cils. C'est un... En plus, les numéros s'effacent sur mes pinceaux. C'est le E20.
E25 pour le phare, c'est mon le phare pour le pinceau Sigma, c'est mon chouchou, hein, le E25, vous le savez. Et le E20 en général, c'est celui que j'utilise tout le temps pour faire mon ras de cils aussi. Celui-là ou un de chez Jésus en général. Des belles découvertes, ce petit fard mono. Je sais plus combien ils avaient de teintes. Eux, ils en avaient 3, mais je sais plus combien il y en avait. Je vous noterai en annotation ici en dessous. Alors, ensuite, les crayons. Voilà, donc c'est des crayons double embout, comme ils font très très souvent dans leur collection édition limitée, que je ne prends jamais en général. Mais là, comme c'était un fard mono, je voulais quand même avoir autre chose à mettre sur la paupière. Donc voilà, moi j'ai pris le côté un peu prune et champagne, comme ça. C'est le numéro 2. Voilà. Et donc je vais fumer un peu le ras de cils avec le côté prune. Je trouvais que c'était celui qui allait aller le mieux avec. Il y avait le noir aussi, noir d'un côté et aussi un peu champagne de l'autre côté. Mais celui-là il n'avait pas, c'était le seul qui manquait. Il y en a 4 dans la collection. Je crois que les crayons coûtent 9,99€. Je vous mettrai aussi le prix. Donc ils ont 4 teintes. Il y avait un brun qui était vraiment très joli aussi. Et pareil, à chaque fois, il y avait une couleur irisée d'un côté, une couleur mate de l'autre. Et j'aurais bien aimé le noir aussi, mais il l'avait pas. Donc je me suis dit qu'avec la couleur que j'avais pris de fard à paupières, c'est celui qui irait le mieux. Et la vendeuse m'a dit la même chose. Donc voilà. Je mets le crayon, je ne parle plus, c'est quand je mets le crayon, faut que je me concentre. Ce que je vais faire, c'est qu'en coin interne, je vais mettre le côté irisé. Et à l'intérieur, je vais mettre aussi le prune pour rappeler un... Alors, ils avaient aussi un mascara dans la collection que je n'ai pas eu parce qu'ils n'avaient pas non plus. Donc là, je vais mettre mon mascara que j'utilise pour l'instant, qui est le Too Faced. J'ai mes yeux hyper sensibles aujourd'hui, ça se voit, et ils ont encore envie de pleurer là. Depuis que j'ai fait les oignons, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont très très sensibles. Voilà, voilà. Alors, donc voilà, mascara, je vous l'ai mis. Je sais plus c'était combien le prix. Mais de toute façon, je vous mets les produits dont je parle en photo et le prix. Ensuite, on va passer... Donc, il y avait aussi des poudres matifiantes qui apparemment sentaient bon le chocolat et tout. Mais bon, je me suis pas permise de sentir avec le masque et tout. Et elles étaient un peu teintées. Donc, j'ai pas osé prendre. Et ils avaient aussi que 2-3 teintes. Or, qu'il y en a beaucoup plus, je pense. Il y en a quand même quelques-unes, 4-5. C'est dommage, c'est dans cette collection-ci, ils n'ont pas fait de bronzer. D'ailleurs, j'ai mis un bronzer Kiko, un ancien bronzer d'une collection édition limitée, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Donc voilà, ils n'ont pas fait de bronzer. Ils ont fait les poudres matifiantes, mais comme j'étais un peu déçue de la dernière, mais j'ai pas osé reprendre celle-là, surtout qu'elles sont quand même pas données. Donc pas de bronzer, dommage. Donc voilà, je mets une photo de la poudre matifiante. Ensuite, il y avait une palette qui était là, qui était très jolie, qui m'a fait de l'œil, mais je me suis dit non, il y avait des choix à faire. Donc du coup, j'ai pris le blush. Et c'est une palette que vous pouvez utiliser sur les yeux, en blush et en highlighter. Donc c'est une palette de 4 fards magnifiques. Franchement, je l'ai swatchée, elle était très très jolie. Elle coûtait 24,99€ aussi. Voilà, il y avait des highlighters aussi en format comme le blush que je vais vous montrer ici. Ça, ils n'en avaient pas du tout. J'ai pas vu des highlighters, ils n'avaient pas non plus. Donc voilà, ils n'avaient pas grand chose. Il y a le blush, donc comme moi j'ai pris, voilà, que je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai pris la teinte que je comptais pas du tout prendre au départ, mais ils avaient celle-ci, ils en avaient que 2, donc moi j'ai pris la 02, ils avaient l'autre mais elle était fort, c'est une couleur plus orangée, et moi j'aime pas trop les blushs trop orangés. Et il y avait un vieux rose, mais ça malheureusement ils ne l'avaient pas. Le blush je l'ai payé je crois 16,99€, donc ça arrive dans une petite, voilà, et regardez-moi ce packaging, trop canon. Et hop, le blush, bon, hyper... hyper flash du coup, parce que j'ai pris le rose. Voilà. Il est juste trop trop beau. Canon, canon. Alors par contre, je vais y aller doucement, parce que j'ai swatché en magasin, et il est bien bien pigmenté. Hein, donc, et en général, je suis jamais déçue des blushs
Kiko, je vais y arriver. C'est parce que je pensais au grammage en même temps. Je me dis, je vais regarder pour vous le dire, pour pas oublier. Et c'est quand même 9,5 grammes. Donc franchement, c'est pas mal aussi. Niveau quantité, en général, les bronzers, les blushs et tout chez Kiko, en général, ils sont pas mal. Hein. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais essayer d'y aller doux mollo parce que je le sens que ça va être... Là, ça va. Donc là, c'est un pinceau de chez Sigma aussi. Et ça va, il est pas trop... Bon, il est rose, mais ça va. J'avais peur que ça soit pire. Vraiment, il est beau, franchement. Bon, après, ayez la main légère, quand même. Parce que niveau pigmentation, on pourrait vite être toute rose. Hein. Ah, mais je suis ravie du blush. Ravie du blush. Clairement, les blushs, en général, les blushs, les bronzers chez Kiko... En général, c'est franchement, j'ai rarement été déçue. C'est vraiment plus les poudres matifiantes que je suis déçue. Mais non, j'adore. Je suis trop, trop contente. Il est trop beau. Bien mat. Pas du tout irisé. Donc, on peut rajouter un highlight. Donc, de toute façon, c'était un mat. Hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais nickel. Franchement, il est super beau. 0,2, ouais. Je regarde s'il y a autre chose à noter. Mais il est nickel. Ah, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Fini mat, tout. Très très joli. Et je trouve qu'il va super bien avec le make-up des yeux. Voilà. Ensuite, je vous ai pas dit aussi, ils font des coffrets avec la collection de Noël. Ils les avaient pas encore, bien évidemment, mais je les ai vus sur internet. Avec trois rouges à lèvres de la collection que je vais vous montrer. Parce qu'ils ont sorti plusieurs collections de rouges à lèvres. Ils ont sorti ceux que je vais vous montrer. Ils ont sorti une collection de mat. Qui était canon aussi. Clairement, à mon avis, je me demande si quand il y aura les produits sur le net, si je vais pas racheter la palette de fard à paupières que je vous ai dit, un rouge à lèvres mat, le blush qui me manque peut-être, parce que j'aime beaucoup celui-ci, donc j'ai très envie de tester le vieux rose. Peut-être que j'en ferai une vidéo avec une deuxième partie de produits de la collection de Kiko. Donc on va parler du rouge à lèvres maintenant. Le dernier produit que j'ai, là j'ai pris le 05. Alors là j'ai pris pas du tout la teinte que je voulais, mais tout simplement parce que les deux teintes, donc il y en avait 6 comme ceci, parce que les deux premières teintes les plus claires, je peux les retrouver dans d'autres que j'ai dans ma collection. Donc je me suis dit, si tu prends un rouge à lèvres, parce que je voulais absolument ceux-là, parce que je vais vous montrer, ils sont magnifiques, je me suis dit, si tu veux un rouge à lèvres de cette collection-là, prends quand même une couleur que tu n'as pas, sinon ça sert à rien. Donc que je ne sais pas du tout si ça va aller avec le make-up, par contre, mais bon déjà, regardez le packaging. Trop, trop beau. Ensuite, aimanté. Non mais là, niveau packaging, ils y ont été. Et alors, regardez-moi la beauté de ce rouge à lèvres. Non mais je ne pouvais que craquer, hein, clairement. Bon, les packaging, par contre, ça fait le truc... effet tout cracra, hein, dès qu'on touche. Mais alors, le raisin... Non mais regardez-moi ça. C'est trop, trop canon. On dirait qu'il y a des petites étoiles... Oh, c'est magnifique. On a envie de tous les prendre, hein, clairement. Il est trop, trop, trop magnifique. J'aime trop. Donc voilà, on va essayer ça. Les mats étaient super beaux aussi, hein, mais tous les pailletés, j'avais tous envie de les prendre. Il y avait un rouge orangé, un brun... ils étaient canons. Franchement, ils étaient canons. Bon, on va y aller. Bon, il est foncé, j'ai pas de crayon, j'espère que ça va aller. Est-ce qu'il n'est pas canon? Oh, il est canon. Après, je sais pas si ça va... Bon, ça va pas trop mal quand même. Hein. Bon, il est hyper foncé. Je le pensais moins foncé. Bon, après, j'y étais en couche. Je le pensais un peu moins foncé. Mais, oui, non, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres crémeux. Hein, donc, ça va pas durer... C'est pas sans transfert. Ça va pas durer 10 heures. Dès que vous aurez mangé, à mon avis, hein, faudra en remettre. Mais il est sublime. Il est pailleté, il est magnifique. Magnifique. Et ben voilà pour ce petit make-up avec la collection Kiko. Alors clairement, mon coup de cœur, c'est le blush. Clairement, ouais, le blush, franchement, j'aime trop. Après, le crayon, j'aime beaucoup aussi. Le prune comme ça, je trouve ça super beau. Et je trouve que ça va bien ressortir les yeux verts. Donc j'aime beaucoup aussi. Il marque quand même pas mal dans la muqueuse, je trouve. Donc il est pas mal.
Et le fard à paupières, je suis très étonnée aussi. Enfin, franchement, il n'y a que des tops dans cette collection, en fait, là. Donc, par rapport à la dernière, la Wonder Woman, apparemment, il y avait pas mal de flops. Moi, elle ne m'attirait pas forcément, c'est pour ça que je ne l'ai pas achetée. Mais ici, franchement, je ne suis pas du tout déçue. J'aime beaucoup. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la collection Noël de Kiko. Donc, c'est la Holiday... je ne sais pas comment ça se dit, c'est Gems. G-E-M-S. Gems. Je ne sais pas comment ça se dit du tout. Donc voilà. Clairement, moi, ça me donne envie de tester d'autres... Déjà, l'autre blush, ça, c'est sûr. Ça me donne envie de tester la petite fard de... la petite palette de fard à paupières. Donc, d'acheter le crayon noir aussi. Franchement, c'est... belle, belle découverte. Les collections Kiko Noël, je les adore en général. Donc voilà. Voilà pour ce make-up. Je vais vous le montrer de plus près comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!